je le sais que ça vous arrive aussi à vous d'avoir des appels téléphoniques, des appels avec des clients, avec des employés ou même des amis, et que vous êtes dans un environnement sonore, on va dire, pas de qualité. Ça peut être au Starbucks du coin, avec du bruit tout autour, ça peut être dans un aéroport, au voyage, dans un train, dans un bureau, ça peut être aussi chez vous, avec les enfants qui hurlent derrière, et le chien et le chat qui font plein de bruit. Bref, ça peut arriver de devoir faire un appel important dans ces conditions-là, et c'est quand même pas l'idéal, parce que ça fait vraiment pas professionnel quand on peut pas s'entendre parler, qu'il y a du bruit tout autour. Eh bien, mesdames et messieurs, il semblerait que l'application qu'on va découvrir aujourd'hui serait la solution parfaite pour ce genre de situation. Puisqu'il s'agit d'une jeune start-up qui vient de lancer un outil, selon leur dire, qui permet de pouvoir annuler tout le bruit environnant, tout le bruit qu'il y a derrière vous quand vous êtes en conversation téléphonique, ou en tout cas par webcam, avec vos interlocuteurs. Alors, trop beau pour être vrai? Eh bien, je ne sais pas, j'ai pas encore testé l'application. On va faire ça ensemble et découvrir si oui ou non ça marche. Bon, ce que j'avais envie de faire à l'origine, c'était carrément de partir au Starbucks du coin et tester dans des conditions réelles. Le problème, c'est que... Bah, je vais vous montrer. C'est que oui, aujourd'hui, eh ben, il neige. Et je suis un gros flemmard et j'ai juste la flemme de sortir. Voilà, donc du coup, on va faire autrement. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement télécharger des sons sur mon téléphone. Et puis, je vais les mettre en play avec le son à fond. Ensuite, je vais enregistrer le son directement sur mon ordinateur. Et puis, je vais activer et désactiver l'application pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça marche pour vous? De toute façon, c'est pas comme si vous avez le choix, c'est un peu ma vidéo. Donc, on va faire comme ça pour cette fois et on va voir si ça marche. Alors, pour réaliser cette opération, j'ai besoin évidemment de mon micro et mes écouteurs. J'utilise mes écouteurs iPhone et je dois dire que ce sont les pires écouteurs quand il s'agit de démêler. Et on commence tout de suite avec l'ambiance Starbucks. Alors, c'est parti. Voilà, c'est quand même assez fort. Je vais le mettre à côté de mes écouteurs et je vais m'enregistrer et parler par-dessus. Startup est traduit en français par le terme « jeune pousse ». Une startup est une jeune entreprise innovante à fort potentiel de développement économique, nécessitant un investissement important pour pouvoir financer sa croissance rapidement. Attention, c'est parti, ambiance Starbucks. Et je vais commencer à lire exactement le même paragraphe que j'ai lu tout à l'heure. Startup est traduit en français par le terme « jeune pousse ». Une startup est une jeune entreprise innovante à fort potentiel de développement économique, nécessitant un investissement important pour pouvoir financer sa croissance rapide. Startup est traduit en français par le terme « jeune pousse ». Startup est traduit en français par le terme « jeune pousse ». Bien, bien, bien. Bah écoutez, je pense que c'est pas mal du tout. Il y a quand même une sacrée différence. Maintenant, je propose de tester quelque chose d'encore plus corsé, histoire de voir si ça marche vraiment bien. C'est parti. Allez, cette fois-ci, je teste avec un bébé qui pleure. Allez. Startup est traduit en français par le terme « jeune pousse ». Une startup est une jeune entreprise innovante à fort potentiel de développement économique, nécessitant un investissement important. Ok, c'est reparti cette fois avec l'application activée. J'enclenche le bébé qui pleure. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez, mais on est parti. Startup est traduit en français par le terme jeune pousse. Une startup est une entreprise innovante à fort potentiel de développement économique, nécessitant un investissement important pour pouvoir financer sa croissance rapide. Startup est traduit en français par le terme jeune pousse. Startup est traduit en français par le terme jeune pousse. Perso, je suis assez bluffé par le résultat. Je trouve que ça marche super bien. Et vraiment, ça peut être super pratique quand vous avez des appels importants et que vous êtes bloqué dans l'environnement dans lequel vous êtes. Donc allez-y, tentez, c'est gratuit. Par contre, c'est que sur Mac. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Si vous connaissez d'autres applications dans le même genre ou des petites astuces pour améliorer la qualité de vos appels, eh bien n'hésitez pas à partager. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt. Ciao.